D'aborder le mois d'exécution. Je vous disais la dernière fois, c'est pour ça que le 1er novembre commence. C'est vrai qu'on dit fait de tout ça, c'est ce que les gens disent, mais en même temps c'est fait des morts. Et ça vous paraît, vous ne cherchez pas à poser des questions, pourquoi le 1er novembre, c'est là qu'on célèbre les morts. Pourtant la Bible nous dit, face aux saintes écritures, la Bible dit que quand quelqu'un est mort, c'est fini, il part pour le jugement. Qui peut me dire le contraire? Hein? En tant que chrétien, notre boussole, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Amen. Le monde a ses trucs, ses pratiques, et l'Église aussi a ses pratiques. Amen. Nous ne devons pas célébrer les morts. Pourquoi? Parce que c'est anti-biblique. Je ne suis pas en train d'attaquer une religion. Je ne suis pas en train de t'attaquer ce matin. Je te dis, les choses sont claires. C'est pour ça que vous allez voir que le mois, à partir du mois de novembre, décembre, vous allez commencer à voir plein de morts. Les gens vont commencer à mourir. Amen. Oui. Parce que les calendriers que nous suivons, les calendriers là, ce sont des calendriers païens. Chaque mois correspond à un démon. Je vous disais qu'il y a quatre mois plus dangereux. À partir de septembre, octobre, il y a déjà des programmations. Et vous allez comprendre que des aveux même, les gens disent, ah, c'est à partir de novembre, commence à tuer les gens. Vous allez voir que les gens vont commencer à faire des grands accidents à partir du mois de novembre et décembre. C'est pour ça que le 1er novembre commence par la fête des morts. Et malheureusement, on dit fête de Toussaint pour cacher l'aspect mort. Pourquoi c'est saint? Qui est saint? Et pas du fait de tous les saints. Et c'est à cette fête-là que les gens vont adorer les morts. C'est-à-dire qu'on va poser un pot de fleurs si une tombe. Ce n'est pas interdit, n'est-ce pas, d'arranger une tombe. Mais aller parler à un mort, c'est anti-biblique. C'est pas ce que je dis. Comment je vous choque ce matin? Amen. Ne jouez pas avec l'esprit des morts. C'est le démon le plus dangereux. Parce que quand vous partez au cimetière, quand tu parles à un mort, ou tu dis, ma mère, viens m'aider, elle n'est pas là sur les ossements. Tu envoies un esprit de mort à la maison. Ça va commencer à bloquer tes activités. Ça va commencer à te crier pas mal dans la nuit. Et tu vas commencer à avoir des morts dans tes rêves. C'est toi qui as cherché. N'ayez pas le contact avec les morts.
Il est prouvé à une personne de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Si un mort avait un pouvoir, mon papa m'aurait peut-être donné un milliard, puisque moi j'aime bien avoir des milliards. Si, l'argent c'est le pouvoir. Amen. Si tu n'as pas l'argent, tu es possédé. Amen. Ça c'est clair, tu n'as pas l'argent, tu es possédé. Tu as tous les démons. Ils vont t'emmerder. Ils vont donner toutes sortes de pensées. Tu ne veux pas aller sur la tombe de quelqu'un. Et ça, c'est une ruse du monde. Aller sur la tombe de quelqu'un et invoquer un esprit de quelqu'un qui est déjà mort, c'est une abomination. Amen. Vous savez, l'ignorance est la plus grande des maladies. Quand on ne connaît pas là, c'est dangereux. D'autres même vont même porter les t-shirts des morts. Quelqu'un est mort à son t-shirt. Mais si, c'est à son t-shirt. On dit adieu, et puis il est là, sur ta poitrine. Et tu te tentes que tu vois des esprits dans tes rêves. Tu as l'impression de voir des démons, les esprits qui te poursuivent. Il y a certains qui te poursuivent. Parce que tu as un élément de mort avec toi. N'ayez pas le contact avec les esprits. N'allez pas provoquer les esprits. Eh, ils sont là. N'allez pas les provoquer. Tu prends un pot de fleurs pour dire, ma maman, c'est pas ta maman. Ta maman n'est plus là, elle est partie pour le jugement. Si tu es d'accord, dis amen. Amen. D'autres avaient déjà préparé les pots de fleurs, c'était chaud pour aller au cimetière. Amen. Ça t'a apporté quoi? Rien. Amen. Nous devons suivre les données bibliques. On m'a bien saisi. Amen. C'est pour ça que malheureusement, novembre commence par fête des morts. Pas fête de Toussaint. Arrêtez-moi cette histoire-là. Parce que derrière ça, vous allez voir qu'on dit, allez-y adorer les morts. On vous dirait ça après. Vous le savez bien que Toussaint, là, c'est là les gens prennent les portes, ils font du souvenir-vous des morts. C'est pas mauvais. Mais quand une personne meurt, elle n'est plus dans le tombeau. Ce sont des ossements. Son âme est partie pour le jugement. Donc quand tu invoques un esprit, le fait même de prendre l'eau ou de parler à un esprit pour dire « Mon papa veut m'aider », c'est pas ton papa, c'est un démon qui viendra agir dans ta vie. Nous ne devons plus avoir de contact avec des morts. Amen. Amen. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Tu invoques un esprit de mort, tu auras des problèmes. La sorcellerie va t'attaquer, va t'avoir. Elle va t'avoir facilement. Évitez de faire ça. Amen. Amen. Prendre un pot de fleurs, c'est pas mauvais. Je dis, c'est même pas mauvais, même d'aller de faire la tombe de quelqu'un. Ou bien d'un parent cher, un être cher, c'est pas mauvais. Mais adorer un être cher, ou bien invoquer son esprit. Son esprit n'est pas là. Moi, je vous parle des données bibliques. Amen. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombe. Amen. 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 Jésus n'est pas resté dans le tombe. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Amen. Amen. C'est pour ça que cette mois-là, aujourd'hui, c'est la transition entre le mois qui vient de passer et le 1er de novembre. C'est maintenant les gens vont commencer à tuer des gens. Ils vont commencer à mourir. Vous allez voir des accidents très graves. Novembre et décembre. Parce que là-bas, chez eux, ils renouvellent les pactes. Il faut forcément que le sang verse pour que le pacte soit renouvelé. C'est pour ça que ce matin, nous allons poser une action prophétique. Nous allons parler au mois de novembre. Dis amen. 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 La mort ne va plus nous toucher. Amen. Vous allez me dire, mais la mort est naturelle. Mais lisez Job 5, le verset 26. On peut me lire la parole de Dieu. Quelle façon qu'on la Bible, lisez-moi la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui sont attachés. Beaucoup. Beaucoup qui sont attachés. Cabri. Pintade. Il y a beaucoup de cabris, il y a beaucoup de pintades, de sorciers. Mais vous serez délivrés, dit amen. Jean 5, le verset 26. Lisez-moi la parole de Dieu. Amen. Oui. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. La Bible dit que tu entreras au sépulcre, c'est-à-dire dans la tombe, dans ta vieillesse. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Donc quand quelqu'un se réveille le matin et dit, moi il m'a vu, je suis mort, il dit, tu mens. Je ne t'empêche pas de rêver, c'est pas moi qui t'as vu sur le voisin. Amen. Parce que la Bible déclare que moi je vais entrer dans la tombe, dans ma vieillesse. Amen. Il y a des choses qu'il ne devait pas accepter. C'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir dans ma vie.
pas les mensonges de Satan. Satan, c'est un menteur. Il viendra pour t'effrayer. La Bible dit quoi? Que tu entres dans le sépulcre dans ta vieillesse. C'est pour ça qu'il est important d'attaquer l'esprit de mort. Amen. Tu n'avais pas quoi manger, c'est maintenant que tu vas mourir. Qui va s'occuper des enfants? Il y a longtemps. Hein? Ça vous va? D'accord. Je vous promets que cette semaine, vous allez détruire vos canaris. C'est une promesse. Vous voyez un canari ici chez eux. Moi, c'est ma spécialité, aller déterrer les canaris. Ça fatigue tellement les gens. C'est pour ça que je suis en train de me prendre des forces. Mais je vous promets. La semaine, là, c'est votre semaine. Voilà, c'est ma parole. C'est ma dernière parole, ça. Je vais aller déterrer le canari. Vous serez libérés. J'envoie le canari ici. On dit amen. Amen. C'est ma spécialité. Aller déterrer les canaris, les sorciers. Tout ça. Moi, je les cherche. Je cherche sorcier torche. Il y en a ici. D'autres, tu veux. Il y a sorcier. On va faire une petite démonstration entre Jésus et sorcier. Qui est fort? Moi, il les cherche. Dans ta peur d'eux, moi, il les cherche. Amen. Je suis sur le terrain. Alléluia. Je vous assure, Jésus est plus fort que les sorciers. Amen. 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 Si les sorciers étaient plus puissants, je serais aujourd'hui un homme mort. On me défie chaque jour, ça ne me dit rien. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Satan, il est comme le lion rugissant. Il va venir t'effrayer ou te faire peur. Moi, je n'ai pas peur. Amen. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 43, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Mais tu es avec moi, je vais appeler qui? Toi, petit mangeur d'orteil, tu ne m'effraies pas. Amen. Si tu as envie de manger à des gens, tu dois manger. Ce n'est pas moi. Amen. Dis amen. Amen. Tout ce que Dieu demande, c'est que vous puissiez vous attacher à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La longévité est une bénédiction. C'est une promesse de Dieu. Job 5, 26. La Bible dit que toi, tu entreras dans le tombeau, dans ta vieillesse. Amen. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laissez pas les démons vous distraire. Amen. Amen. Je vais aborder le thème. Il faut que Goliath tombe. Amen. Je suis tellement révolté. Amen. Amen. Je suis dans ma tour. Je vous avais dit, mais lui, là, il a deux tours. Il a rouge, il a noir. Noir, c'est symbole. Je sais pas. Souvent, les gens pensent que la couleur. Je vous dis, Dieu est le plus grand designer. La couleur noire, là, c'est symbole d'autorité. Les gens voient trop l'esprit de mort dedans. C'est symbole d'autorité. C'est pour ça que nos magistrats, nos juges, là, sont en noir pour juger les gens. Ce n'est pas un esprit de mort, sinon c'est les morbides, les côtés noirs. Vous n'êtes pas bien, ils possèdent son noir. Non, ils ne portent pas le mot à la morgue. Non. Amen. Amen. Vous êtes là où donner les noms, couleurs. Le diable connaissant ça, puisque lui l'a pris ça. Amen. Amen. Mais je ne fais pas de ça une doctrine. Je ne dis pas aux gens aujourd'hui, mettez-vous en noir. Non. Moi, je suis un maréchal. C'est à moi que tu as parlé. Amen. Amen. C'est moi aussi là, vous allez me battre en touche noir. Parce que je suis venu là pour peut-être terrasser tes démons. Amen. C'est les mois où il faut que les sorciers tombent. Amen. On a eu tellement pitié de. On a eu tellement pitié de. Les démons là, ils veulent manger. Ils vont eux-mêmes se manger. Amen. Dis amen. Amen. Il faut que ton Goliath tombe. Dis amen. Amen. Il faut que ton Goliath tombe. Amen. Qui est Goliath? Goliath, c'est celui qui s'est levé un matin, c'est un Philistin. Au moment où Dieu avait rejeté un roi qu'on appelle Saül, les Philistins étaient les plus grands ennemis d'Israël. On va avoir un grand géant qui avait moins 5 mètres qui va lancer un défi à l'armée de Dieu. Qui va défier Dieu. Parce que celui qui défie Israël défie Dieu. Et il y a dans le secret, il y a des gens qui t'ont défié. Qui ont même dit que tu n'as pas traversé l'année 2014. Ils t'ont défié. Ils ont même programmé les choses. Ils sont en train de jubiler de l'autre côté. D'autres même ont fait marcher. Ils ont fait marcher, ils ont pris gombo, frais, aubergine, tomates, pâtes. D'autres même sont allés faire graines, sauce graines, par là. Parce qu'ils veulent manger. Amen. Ils t'ont défié. Ils se lèvent un matin, ils défient toute l'armée d'Israël. Ils défient l'armée d'Israël. Personne ne pouvait dire un mot. Personne. Ils avaient tous peur. Personne. Parce que le petit David qui vient de recevoir l'onction,
C'est ça qui est important. Frère, tes un point. Dis amen. Amen. Dis à quelqu'un tes un point. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Dis amen. Parce que quand on a l'onction, on a la force du but. On n'a pas peur. Quand on a l'onction, on n'a pas peur. Rien ne nous effraie. Samuel venait de loin de David. Et David a donné à manger à ses frères. Lorsqu'il a entendu Goliath est en train d'insulter Dieu, est en train d'insulter l'armée de Dieu, le petit s'est arrêté, il a commencé à dire, mais quel est ce monsieur? Ses frères l'ont approché pour dire, petit, c'est pas ton affaire, ça là, ce n'est pas une histoire, de, on a la maison, que tu bavardes, on l'appelle Goliath, il est dangereux. Il faut fermer ta bouche, hein, et puis va à la maison dormir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais David savait une seule chose, qu'on ne s'amuse pas avec le nom de Dieu. Dis amen. Amen. Frère, que personne ne vient s'amuser avec ta destinée. Amen. Personne ne doit jouer avec ta vie. Amen. Personne ne doit venir jouer avec ta destinée. Amen. Dieu t'a créé pour vivre, ce n'est pas pour mourir. Alors David se lève pour défier, il dit non, ce n'est pas possible. Que cet individu vienne insulter l'armée de Dieu. Ils l'ont calmé. Vous savez, quand quelqu'un croit à Dieu dans sa vie, vous savez, le principe de la spiritualité, c'est la foi. Amen. C'est ça que la Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. Il croyait tellement la puissance de son Dieu. Il a dit dans son cœur que le monsieur, la Goliath, là, je peux le terrasser au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on l'amène devant Samuel, Saül plutôt. On dit, voici un monsieur, un petit qui a envie de mourir, qui a un esprit de mort. Il voyait David dans un esprit de mort. Frère, ça dit humainement parlant. C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux spirituels. Il faut être un homme spirituel. Pour marcher avec Dieu, il faut être un homme spirituel. Il ne faut pas voir les choses dans la chair. Amen. Il faut avoir un langage spirituel. Il ne faut jamais dire ça, ça ne va pas. Ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Dans le langage de Dieu impossible, ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Donc si tu veux marcher avec Dieu, il faut parler comme lui. Vous êtes là, non, ça ne va pas. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Non, je n'ai pas l'argent. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Je dis là, ça n'existe pas. Il y a toujours l'argent. Amen. Amen. Tu te lèves matin, tu pleures. Seigneur, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Ça n'existe pas chez Dieu. Amen. Tu te lèves matin, dis Seigneur, merci parce que j'ai l'argent. Tu m'as pas parlé l'argent, ça t'appartient. Merci parce que j'ai ça dans ma bouche. Dieu voulait d'envoyer quelqu'un te donner. Amen. Comment tu vas recevoir? Toi, tu t'en fous. Un bon père prend soin de ses enfants. Point barre. Alléluia. Donc si tu viens marcher avec Dieu, et le langage de Dieu, tu ne parles pas comme Dieu, tu auras des problèmes. Et la Bible dit que, dans Hébreux 11, verset 6, la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous perdez souvent le combat parce que vous ne savez pas qui marche avec vous. C'est ça que souvent perdez le combat. David avait convaincu que Dieu était dans sa vie. Il avait près de ça, il a dit, je l'ai changé, il a dit, moi, je suis convaincu que ce méchant, je l'ai terrassé. Amen. 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 Est-ce que tu es convaincu de ta victoire? Amen. Je n'ai pas à faire représenter ce matin. Est-ce que tu es convaincu de ta victoire? Amen. Tu es assis et tu acclames. Secret tout à l'heure, comment terrasser les gens? Amen. Amen. Prenez un Samuel, asseyez-vous. Prenez un Samuel. Un Samuel. Un Samuel 17.
partir du verset 38 jusqu'au verset 42. David dit encore, l'Éternel, il m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Amen. Lorsque l'envoyé devant Saül, Saül est tenté de dire, mais tu es petit, tu es un jeune homme, il y a quoi t'élever devant ce monsieur? Il dit, l'Éternel me délivrera de la main de ce méchant. Amen. 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 Il ne faut pas avoir peur de ce combat. Tu es force dans un combat, tu es en train de mêler un combat. Il ne faudrait pas peur des menaces des sorciers. Amen. Amen. L'Éternel est Dieu qui délivrera la main de ce méchant. Amen. Allons-y. Et Saül dit à David. Saül dit à David. Va. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Il dit que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Saül a réalisé, non, c'est trop facile, l'Éternel est avec toi. Faut qu'on t'aide un peu. Donc Saül, c'est un grand guerrier. Un grand soldat va commencer à habiller David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Alléluia! Et il s'en débarrassa. Au fait, ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'aider et ce n'est pas de la chair. Amen. Car la Bible dit que nous ne va pas combattre contre le ciel. On dit amen. Amen. C'est ce que David a fait. Il s'est débarrassé de tout ce qui est charnel. Allons-y, s'il te plaît. Mets son bâton. Choisis dans le torrent 5 pierres. Pour... Vous savez, le bâton, c'est symbole de pouvoir. Amen. Il prit son bâton. Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert, Moïse avait un bâton en main. Il dit, jette le bâton. C'est devenu un serpent. Reprends le bâton. Le bâton est revenu, le bâton. Ça veut dire quoi? Le pouvoir sur le diable. David a pris son pouvoir. Amen. Amen. Frère, tu es en toi quelque chose d'important. Amen. Tu as le pouvoir de Dieu. Amen. Tu dis pas amen? Amen. Vous avez le pouvoir de Dieu. Amen. Les petits sorciers, vous mélangez, vous tremblez. Vous avez peur, le prophète, il n'a qu'à venir vers celui-là chez moi. Vous tremblez. Vous tremblez. Tu as le pouvoir de Dieu, dis amen. Amen. La Bible déclare que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le sorcier. Amen. C'est quelle histoire d'avoir peur des sorciers. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Amen. Amen. C'est pas de l'orgueil. Quand il a dit aux gens, j'ai pouvoir. C'est pas malin. J'ai ça. Parce que Jésus m'a donné ça. Amen. Au prix de sa vie, il nous a donné son pouvoir. Amen. Il a connu l'humiliation, l'ignominie, la plus grande honte pour nous donner le pouvoir. Et vous jouez ça. David a pris son pouvoir. Il dit vos histoires de chair, tout ça. Moi, je sais que j'ai un pouvoir. Je sais que je vais affronter ce monsieur puis le terrasser. Amen. Et la Bible dit, il allait tout droit. C'est qui est intéressant. Vers quoi? Le torrent. Alléluia. L'eau, symbole de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai qu'il avait le pouvoir, mais s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Frère, il faut toujours s'appuyer sur les principes de la parole pour affronter le combat. Amen. Tu es en face d'un combat. Qu'est-ce que Dieu te dit? Laisse-moi te faire cette déclaration ce matin. Dis amen. Amen. La Bible dit, dans Jérémie le chapitre 9 et 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dis amen. Dis-moi ma peur. David passe dans un torrent, il sélectionne 5 pierres polies. En s'appuyant des paroles de Dieu, les 5 pierres symboles de Jésus, le nom de Jésus. C'est vrai que Jésus même dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Ce combat, tu auras la victoire si seulement Jésus t'accompagne dans ce combat. Amen. Si seulement tu as le nom de Jésus-Christ dans ce combat. Amen. Si tu prononces seulement que le nom de Jésus. Amen. Il sélectionne les pierres et paf, et pas au front. Tu es au front, tu utilises quel nom? Amen. Amen.
Il y a des gens qui sont confrontés à un combat. Moi, mon père a vécu un combat, il a perdu le combat avec les sorciers. Parce que lui, il partait au front avec Nassidi. Il se dosait, il dose. Il boit Nassidi. Nous, nous réveillons avant pour boire Nassidi. Ça nous énervait. Mon papa a vécu des situations terribles où dans la chambre, on le voit en train de crier. Il crie, tout le monde entend. S'il a crié comme ça, il a semaine, on va boire Nassidi, du coup, fatigué. Quand ça commence là, tout le monde a peur dans la maison. Tout le monde est fâché parce qu'on va nous faire boire Nassidi à 1h du matin. On avait été réveillé. Tu dois aller à l'école, tu bois Nassidi. Il a perdu le combat. Tu es face d'un combat. Amen. Tu vas chez les marabouts, tu perdras le combat. Alléluia. Amen. Il n'y a que le nom de Jésus seul qui peut t'amener à avoir la victoire dans ce combat. Dis amen. C'est ce que David a compris. Il allait sélectionner la parole dans les paroles de Dieu. Sélectionner Saint Pierre, le nom de Jésus. Il allait affronter son ennemi qu'on appelle Goliath. Amen. Amen. Allons-y pousser la lecture. Un ennemi dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Quand le Philistin s'approchait peu à peu de David, écoutez très bien le Philistin. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarde David. Il a regardé David. Et lorsqu'il l'aperçut, il a vu David. David, il le méprisa. Amen. Ce qu'on fait, on est de mépriser. Je pense que c'est comme avant. Avant où il les terrassait. Où il venait t'embrasser.